J'aimerais que maman soit là pour manger avec nous. C'est maman qui a donné ce Pokémon. Tu veux voir comment ils sont costauds? Ah, incroyable, je peux les affronter. Ah, les deux! Ah, mais non, mais moi j'ai pas de deuxième Pokémon là qui est prêt. Oh, y'a un bidouf. Doc qui va péter un câble. Oh! Genre la réaction directe. Ils veulent tous se taper là-dedans. Ouais, c'est comme l'autre truc là. Mais attends, mais je sais, cascade. Ah non, cascade c'est pas surf, je suis con. Et ben, on va cascader le Machoke et on va faire un choc venin. Attends. Toxique sur le Kenotor. Je rigole, bidouf, te détruit. N'importe quoi. Attends, on va voir ce qu'il va faire le Kenotor. Je suis sûr qu'il va faire un rugissement ou un truc de merde là. On va voir. 100% il fait un truc pourri, style rugissement ou boule armure. Coup de boule, oh là là. Oh, oh les dégâts. Oh les dégâts. Alors par contre c'est mon... Ouais. Ouais. Léviator, je vais plutôt envoyer mon Alakazam. Ouais. Et on va faire choc venin sur... Ou quoique morsure sur l'Archéomia en fait. Il va ouest ton bidouf PTDR. Poison plus dangereux que bidouf. Ouais. Coup de boule encore, ouais, génial. Sur la moufouette. Girobale. Bon. Voilà quoi. Choc mental. Attends, non, ah, le problème c'est que j'ai pas de... C'est de la merde en fait. J'aurais dû faire, bah tant pis. Choc mental, Archéomir, même ça ne sert à rien. Il y a moyen que je le tue quand même. Et choc venin sur... Kenotor. Parce que bon. Choc venin sur l'Archéomir ne fait rien, qu'autant le faire sur Kenotor. Le pauvre. Le pauvre, il n'a rien pu faire le Kenotor, vraiment. C'est une destruction. Coup dur, hein. Oh, il y a un autre Kenotor. Oh, mais... Ils sont mignons, ces Kenotor. Attends, attends, je vais baisser son QI, là. Son QI a beaucoup baissé. Et choc venant, ça ne va faire... aucun effet sur Archéomir. Il y a déjà deux de cul bidouf. Voilà, c'est devenu négatif. Voilà. Le cul est devenu négatif. Par contre, pourquoi j'ai pas fait morsure? Je suis pas un peu con, moi. J'aurais dû faire morsure et je tuais l'Archéomir. C'est pas grave. La Kazam 27, mais déjà. Tu es vraiment coriace, toi. J'étais avec mon papa pourtant, terrible. Et j'aurais volé du cash. La prochaine fois, on verra tous ensemble avec le bébé. Oh là là. Alors, je crois que. En même temps, pour se faire une team bidouf, il faut être sacrément limité. Ça, c'était sur Doc là. La balle partie en pleine gueule. Pauvre Doc. Alors, je vais peut-être virer. Oh merde, j'ai ripé sur le ban de chat, terrible. Donc je vais juste les soigner et puis voilà quoi. Par contre, Alakazam il XP trop vite, hein. Vraiment c'est pas possible. Hop, on va prendre champ en feu. Tac, moufouette, voilà. Et je vais aller. Il y a un heal gratuit en fait. Je vais aller prendre le heal gratuit en fait. Vous avez réservé une chambre pour la nuit? Non. Malheureusement, je crains que nous soyons complets. Puisque vous êtes là, profitez-en pour une petite pause. Merci bien.
Ça vient de se poser aux Pokémon, on va aussi retrouver la forme. Mais oui, tellement. Alors, y a rien là? Non. Zut, je veux pas. M'en fous du petit Ravi. M'en fous, je veux juste qu'il évolue à la limite. Mais voilà. Je sais un R, je laisse ma guitare s'exprimer pour moi, je ne besoin que de musique et de Pokémon. Où que j'aille, je suis heureux tant que ces deux choses font partie de ma vie. Merveilleux. Nous sommes une troupe de Saint-Borg itinérant, permettre de présenter en Moto France aussi. C'était 92. C'est quoi déjà? Distorsion, mais oui. Je vais être dans l'avenir. La roue du destin va tourner. Mais je reste à dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. La poubelle est vide. Ok, ça marche. Ah, on se demande hein, où est-ce que je me repose hein, dans ce lieu. Hein. C'est curieux. Toi, qu'est-ce que tu veux? Voyage, c'est bon de vous revoir du pays. Tenté par le centre spatial de la région de Hoenn. Fusée lancée dans l'espace, j'aimerais revoir ça. J'aimerais voir ça au moins une fois dans ma vie. D'accord. Sans bas les couilles. Je crois que je n'ai pas le droit de piquer son lit. Ici. Tu comptes vaincre le maître dans ce cas, vraiment voir quand ce sera fait, d'accord, n'oublie pas. Hein. D'accord. Je préfère la piscine à la mer. L'eau de mer a le goût de mes larmes après une déception amoureuse. Coup dur. Ectoplasma. Moi aussi j'en ai un. Bonjour, je suis l'un des réalisateurs du jeu, le plus grand fan d'Ectoplasma. C'est même sympa les combats entre deux heures, tu ne trouves pas? Bah ouais, surtout qu'on peut les esquiver avec des Poképoupées, gros con. Et toi, je suis l'un des deux réalisateurs du jeu, t'essaies de compléter ton Pokédex. Quand je pense à tous les Pokémon que tu as encore rencontrés, j'en ai la larme à l'œil. Va me montrer quand ton Pokédex sera rempli. Je sais pas ce qu'ils vont me dire, eux. Quoique. La poubelle est vide, ok, y'a rien. Donc du coup, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est ultra déprimant comme phrase, ouais, d'ouf. Alors, notre restaurant ne compte pas servir et propose également d'excellents combats. Bon appétit. Miam! Oh chérie, tu me fais vraiment honte. Nous sommes dans un restaurant chic ici, alors arrête de vouloir analyser tous les plats. Oh, tu es un dresseur? Oui. Dis rien après, c'est bon. Tu es un dresseur? Oui! C'est incroyable. Par contre, un fermier et un scientiste, je veux pas rester dans les clichés, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Machouille, hop là, coup dur pour le cadabra. Et toi, coup de feu sur la moufette. Chouille, j'ai pas réussi à tuer la moufouette, Sad. Elle va peut-être empoisonner quelqu'un encore. Et Rugo, ils te donneront le charme de capture et un autre qui est pas le chroma. Ah oui, c'est vrai. Lorsque j'aurai tout rempli. J'ai hâte de tout remplir. Petit Ravi niveau 12, nana. Niveau 22, pardon. Déjà 22? What the fuck? Ah, ils ont qu'un seul poké. D'accord, un seul Pokémon chacun. Ok, je suis pas sûr de live demain, Doc. Ou alors juste le soir. Pas longtemps, mais je suis pas trop sûr. Parce qu'il faut que je taffe un peu. Ah non, ils avaient un deuxième Pokémon, j'avais pas vu. Hop. Lame. Du coup, bonne soirée, Doc. Moi je live encore 1 heure et puis c'est tout. Hein. Ça suffira. À la tienne, Jérémy, s'il te plaît, ne commence pas à analyser le contenu de ton verre. D'accord, le résultat du combat importe peu, buvons nos verres. Cette sauce, c'est une sauce épicée typique de Hoenn à base de baies cerises. Tu veux goûter mon plat? Ah non, je vois, c'est un combat que tu veux, n'est-ce pas? Non! Juste voir ce qu'a dit l'autre. Le chef a flambé ce plat à la perfection. C'est un festival de saveurs et d'arômes.
tout plus délicieux les uns que les autres. Tu me lances un défi au beau milieu du repas. Pour un dresseur aussi jeune, tu ne manques pas d'audace. Oui. Ah mais il n'a même pas eu le VIP, donc il s'en va. Coup dur. Pas besoin de capturer les Poké pour que le Pokédex soit compté comme complété. Ouais, mais je crois qu'il y a aussi un bonus, je crois, quand tu les captures tous. Si tu vas voir le... Tu vas voir le professeur Sorbier, il va être en mode « What the fuck, tu les as tous tués, mais what the fuck ?» C'est ce que je veux, moi. Donc, voilà. Alors, Lockpin, ça c'est dangereux, on va focus ça. Ouf, vive attaque. Par contre, je suis... Ah oui, les deux, ok, sont très vifs. Pas comme leur dresseur. Ah, oh, il est brûlé. Coup dur. Et après, je le rince. Comme c'est intelligent. Je peux pas avoir Dialga, donc bon. Détrompez-vous, je vais vous montrer un truc dans ma collection. Dinoclier, niveau 18. Ok. Cascade, les tourmis. Mac Punch. This shit. Après, on peut toujours avoir de quoi avec les échanges. Hein. Genre, par exemple, le Granido, j'ai eu par échange. Donc voilà. De toute façon, faire des échanges pour avoir le Pokédex en soi, en tout cas. Ruse, c'est de la merde. Hey Andrew, how are you? You are also excessivement bogus, you know. You know that, Andrew. You are going incroyable. Ben. I'm fine, I'm bien. Tranquille. Mac Punch. Hein. You know what tranquille means? Chill. Bien vu, bien vu. You are improving your French every day, Andrew. Oh, 17 000, j'aurais volé, mais what the fuck? Oh, le vol! Ce plat est assez bon pour être servi à l'hôtel. Ne dis pas à mon petit ami que mon père est le propriétaire de son restaurant. J'accepte de t'affronter si tu gardes mon secret, tu es d'accord? Non. Les hors-d'œuvre de mon père sont délicieux. Serais-tu en train de me proposer un combat? Je n'aurais plus jamais à devoir un défi. Bon, allez. Voilà. Nathan, le Richard, le Richard! Ah ouais, on dit une demoiselle et un Richard. Ok, d'accord, je savais pas. Oula, oula, ils vont prendre cher eux. Par contre, pourquoi c'est la fille qui a le Pokémon le plus faible? Je suis pas d'accord ça. Non mais c'est honteux. Après, il en a deux. Donc voilà. Point boost. Frère arrivé avec une assiette de Saint-Jacques en mode maman a fait une erreur sur les commandes, tu veux? C'est trop bien les Saint-Jacques, c'est trop bon. Ah il a la trouille, chais. Attends quoi, il prend cher de la roche le... Attends, je vais faire une petite charge là. Charge sur le simulabre, ça va le calmer. Coup critique inutile. Point boost, c'est combat. C'est pour ça que c'est plutôt avec un G point, vu que c'est combat. C'est le point. Le point qui cogne. Du coup, ça booste l'attaque. C'est comme Mac Punch, mais ça booste en plus. Mais pour moi, c'est même plus exceptionnel. Ah et du coup toi t'es genre t'es trop content d'avoir ça quoi, à manger. Pichu, oh, mais il va prendre cher. Ouais bon, faut quand même pas qu'il meure. Hein. Mac Punch, en vrai est-ce que je le one shot? Oh oui je le one shot. Voilà. Grâce au buff. Léviator, danse pluie Léviator. C'est une honte.
M'entendez, c'est une honte. Comment ai-je pu perdre dans le restaurant de mon de papa? Oh, terrible. 15 000, mais c'est du vol! C'est du vol, genre vraiment. Que je ralentisse ces délicieux hors d'œuvre où je n'aurai plus de place pour le plat de résistance. Je ferai bien que petit mot avant de. Pour mourir à la battue, veux-tu te joindre à nous? Te joindre à nous! D'accord, pour l'art, je suis prêt à débourser les sommes les plus folles. Mais je ne peux pas en dire autant pour les plats de ce restaurant de luxe. Qu'y a-t-il? Toi aussi, tu as faim? Oh, je vois. Oui, je la tête, tu veux te battre, n'est-ce pas? Oui. Une jeunette et un vieux artiste, on aura tous les clichés, je crois. Je one shot le. Ah non, quoique. Ma chouille. Ouais, ok. La cascade, du coup. Tac. Point boost. Psychoquack. Elle fait quoi là? Garde large? L'ennemi est protégé par l'accès garde large. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas eu trop d'effet, je crois. Elle a dit être prêt à débourser des sommes élevées pour l'art. Je pense que la. Oh là, le P-word. Terrible. Mur de fer. Non, je m'en fous. Mimi-queue. Plus derrière, F, une utilisation avec le mot queue dedans. Oh là là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Vraiment. Franchement. Pff, voilà quoi. Machouille. Et. Macpunch. En vrai, peut-être que je le tue avec Macpunch. Oui. Je dis les termes, mon monsieur. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Il est très cash. Hein. Je crois que je pourrais devenir un mannequin à succès. Ah, par contre, ils avaient pas beaucoup de cash. Hein. Black Cat et Sueur, vous pensez ça? Voilà. Terrible. Il reste encore de la place. Hein. Je peux pas m'asseoir et grailler un peu là. Alors, toi. Il y a même la bouée, hein. Je l'adore. Oui. Le PQ. Ah ouais, non, le billet quand même. Non, voilà. Et Yohamza. Finalement, je joue sur Pokémon hein, parce que j'ai la flemme. Hein. Par contre, j'ai un problème d'évolution moi en ce moment là. Normalement, c'est censé évoluer mon petit Ravien. Faut lui faire win un level. D'accord. Oh, normalement il devrait win un level à la fin de ce fight sans coquille. Peut-être qu'il faut que je fasse fight, comme ça il sera encore plus heureux. Tac. Comment je vais faire? Implore, en vrai. Pouvoir antique, oula. Coup critique, ah d'accord, c'était la merde. Ah oui, du coup, oui. Écrase face. Non, implore, c'est quand même plus fort. Pas trop de. Ouais. J'ai pas trop de dégâts. Hein. En plus, il fait armure, laisse tomber. Hein. Ouais. Armure, mais putain, il casse les couilles. J'ai jamais réussi à le tuer. Déjà un fight de level 5 en début de game, oui, totalement. Ça
passe. Oh les non-dégâts, c'est terrible. Allez, encore un coup et c'est bon. Aïe. Ok, c'est bon. C'est bon. Oh là là là, c'était dur ce fight. Oh, il level up même pas, mais vas-y, t'es nul. T'es nul, petit Ravi, t'es nul. Vraiment, t'es nul. Hein? Oh, ça y est. L'œuf de Manessi. Oui, Manafi, hein, sorcier de l'œuf. Je sais pas du tout quoi faire ce Pokémon déjà, mais bon. Pokémon voyage mer. Composé à 80% d'eau, le corps de ce Pokémon est très sensible à son environnement. Ok. Du coup, il est level 1. Est-ce que ça évolue ce truc? Ça évolue pas, il me semble. Hein. Relax. Elle mange les aussi, ok. Éclos par la force du destin. Il perd en vitesse et gagne en défense. Yes. C'est juste un légendaire, sinon au calme. C'est un légendaire, mais du coup, je vais pas m'en servir du coup. Hein. Faut que c'est un légendaire. J'ai pas envie de me servir des légendaires parce que c'est un petit peu OP, tu vois. Ah oui, donc du coup, tout à l'heure. J'ai oublié. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, j'ai déjà... J'ai Dialga avec un échange, hein, évidemment. Voilà, donc j'ai une petite Dialga, hein, si j'ai envie, je peux faire tout le jeu avec. Mais non, je vais pas me servir de les légendaires, j'ai pas envie. Je les mettrai dans une boîte particulière, rien que pour eux. La boîte des légendaires, avec du coup... un truc de cette couleur-là, évidemment. Voilà. Donc, Banafi. Finito. Ouais, elle est fabuleuse, voilà, ça dégage. Dommage, je peux pas avoir le Mew et le Jirachi vu que j'ai pas Pokémon épée, bouclier, ni let's go, quoi. Dommage. Tiens, je vais ramener le Cranidos. Par contre, pourquoi il évolue toujours pas Ah non, faut qu'il level up, sans doute. Hé, moi aussi je sais me battre. Ah là là. Les gosses, pas possible. Hein. Faut vraiment toujours leur foutre une correction avant qu'ils comprennent. J'ai le go d'évolution si tu veux. Ouais, mais. Ça change rien. Go. Tu les auras, ça va, 140 euros de Pokémon, tranquille. Aqua Jet, ça va pas faire beaucoup de dégâts, ça. Hein. Putain, je vais lui montrer le vrai pouvoir de l'eau, je vais lui foutre une cascade dans la gueule. Regardez-moi ça. Bam, voilà. Tire à vie 24. Alors toi, mon gars, t'as intérêt à évoluer direct. Krangdos monte niveau 8, elle apprend puissance, on s'en fout. Et ça y est, du coup, ouais, il évolue. Chiravi évolue. Dans ma tête, c'était plutôt genre il évolue au bonheur. Et après, c'est la pierre ovale, mais visuellement, c'est d'abord la pierre ovale, puis après, évolution au bonheur. Bon. Apprendre bélier, alors non, tu vas pas apprendre bélier. Genre, imagine un levénard bélier, non, mais c'est quoi ça? Ah, il a plus la. Choix soit c'est quoi qui augmente la puissance des PC petite normale, ouais. D'accord. Grosse racine, nanana.
J'ai plus la pierre, ok. Là maintenant il faut qu'il gagne du bonheur. Bon, normalement ça va, j'en ai déjà un peu. Tu es vénère avec Bélier, c'est un taureau, c'est tellement ça, tu sais. C'est un hôtel chic, un restaurant chic, dans un endroit chic, ce restaurant chic est rempli de gens chics qui se trouvent trop chic pour combattre seul. Évidemment. Alors, il y a... Et du calcium par là. Ah oui, je crois qu'on peut faire un bug comme ça, attends. Est-ce qu'ils l'ont fixé? Voilà. Bon, le vénère est bloqué sur le calcium. Il y a du calcium ici. Allô? Voilà. Et du coup, il a été bloqué dessus. Voilà, c'est pratique, hein. Quand tu vois le Pokémon qui est bloqué à un endroit, c'est sûrement qu'il y a un objet caché. Non, j'avais presque réussi à l'attraper. Ah, désolé mon gars. Je crois que j'ai déconcentré, hein. Magikarp. Ça va être fun. Moi, j'ai l'évolution. Il y a beaucoup de Pokémon de type eau hein, dans le coin, hein, clairement. C'est chiant, j'ai jamais pu utiliser ma cascade. Elle a rarement été efficace. Hein. Remoraid. Faire des machouilles à longueur de journée, hein, c'est tout. Léviator, ah bah voilà. 1v1. Bon, après moi je suis level 28 quoi. Donc coup dur pour lui. Mais il a baissé mon attaque. On va faire des cascades. On va le cascader. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Gros yeux. Ouh. Mais je sais pas pourquoi ils ont gros yeux les Léviators. Moi je l'ai pas. Hein. C'est peut-être un egg move. Ok, je fais pas plus de dégâts avec. Avec ma chouille. Hein. Ouais, j'espère qu'il me one shot là pour le coup. Hein. Je sais pas si je le tue. Peut-être charge. On va le charger. Je pense que c'est une meilleure idée. Hein. Ouragan. C'est tout? Après deux gros yeux, il me fait que ça en dégâts. Oh là là, terrible. Mais ouragan, c'est quelle capacité? C'est un truc type vol, ouragan? Polyroche, ok. C'est vol, spé? Ouais, donc c'est de la merde. Ah, c'est pour ça qu'il m'a fait très peu de dégâts. Ah, dragon. Bien sûr, dragon. Ah, voilà. Attends. Montre-moi le Vénard. Ah bah, je crois qu'il est bloqué dessus. Voilà. Il est bloqué dessus. Je suis mort. Ah, t'es bloqué sur autre chose, là? Non? Non. Il y a quelque chose là. C'était que la perle. C'était que la perle, je crois. Ok. Même là, il y a rien. Sad. Abri petit pas, je fais parler les empreintes. Qu'est-ce qu'il va dire sur les empreintes de mon Léviator, sachant qu'il vole? Très envie de voir ça. Hein. Fais marcher ton Léviator devant moi. Ouais. Je commence à oublier ma vie dans la nature, mais je ne suis pas triste, je ne s'ennuie jamais avec Silver. Et attends, ne laisse pas d'empreinte. Ce n'est pas facile
de lire dans ses pensées. Merci. Merci, il ne laisse pas d'empreintes, merci. Quand même, j'ai cru qu'il allait vraiment se foutre de ma gueule en mode bon. Léviator, ses empreintes, voilà quoi. Ah, coup dur la coupure, Black Cat. On a une connexion de gitan. Ah bah non, là c'est juste la coupure de courant. Ah, ça c'est chiant, coupure de courant. À mon avis, ça souhaiterait être un arbre qui attire des Pokémon hyper rares. Parce que pour qu'ils soient cachés comme ça, dans un passage spécifique, c'est sûrement pour ça. Laisse-moi te montrer comment les grands se battent. Elle va voir. Hein. Elle va voir, elle. Ça va être violent. Violent as fuck, là. Shaglam. Elle a que ça. Elle a que ça. Oui. Blam. Kranidos, 11, pardon, pourquoi je veux dire 21, non? Et je vole du cash. Aéropic. Ah bah c'est con, je l'ai déjà sur mon étourvol. Il y a quelque chose au sommet, c'est une grande falaise, mais j'ai un certitude, mais comment faire pour l'escalader? Chez. Voilà, tout simplement, chez. Alors, vers champ. J'ai pris une chambre à côté du lac parce que je voulais absolument visiter le grand marais. Ok. Oh, il y a quelque chose par là. Comment j'y accède? Tu me rappelles ce qu'en passant que j'ai croisé tout à l'heure, il semblait proche de ses Pokémon, lui aussi gentil m'avoir rendu sourire, en tout cas remercier quoi. Te remercier. Bulle C, d'accord, ok. La petite amie, mon frère et la masseuse de Voix la Roque. Ok. Incroyable. Bien le bonjour. Laisse-moi examiner ce Pokémon pour voir s'il mérite un foulard. Je vois. C'est ce que j'espérais, je vais pas te mentir, c'est ni bon ni mauvais, il est simplement médiocre. Si tu veux qu'il s'améliore, donne-lui plein de popines. Ah d'accord, ok. Des popines. Il a pas assez de grâce, de charme ou je ne sais quoi, c'est chiant. Grrr, hein, qu'est-ce que tu veux toi? Pff, tu n'as que 3 balles, je vais faire jouer avec tes Pokémon au lieu de te mêler les affaires de la Team Galaxy. Je me demande que je vais utiliser la marchandise venue de Voilà Rock. Oh, une fois de plus, la Team Galaxy va faire du bruit. Hey, hey. Nickel. Certains dresseurs empêchent libérément leurs Pokémon d'évoluer jusqu'à qu'ils aient appris certaines capacités en montant de niveau. Ah ouais. Coup dur. D'autres baies ont poussé grâce à celle-ci alors que je suis à la Union Police pour en faire des peaufines. Crois-moi, quand je vois mes Pokémon. Que mes Pokémon sont heureux, je me dis que ça en valait la peine. Ok. Je vais aller dans le Grand Marais. Je pense. J'utilise des jumelles pour voir quels Pokémon apparaissent dans le Grand Marais. Il faut faire attention quand on marche dans la bourbe, on s'enlise facilement. Quand ça m'arrive, je m'énerve tellement en essayant de me dégager que je rentre bredouille. Chiant. C'est bizarre, j'ai l'impression que les Pokémon du Grand Marais que j'ai vu aujourd'hui sont différents que de ceux que j'ai vus hier. Ah ah. Prends le train avec l'air pour aller plus vite, ouais ok. Y'a quoi comme Pokémon aujourd'hui? Gunotor, Étourmi. C'est bien. Psychokoak, je m'en fous. Ah, Aril, ok. Ça, je veux bien. D'accord, bon bah... 500, faut les attraper, je vois que vous voudrez, ça vous en rentre. Oui, allez. Il y a un couloir à droite, on peut jamais y accéder, ça me frustre. C'est un type brume, aucun de mes Pokémon n'est apte à prendre cette capacité, ça me rendrait service, tu m'en débarrasserais, bah tiens. Très pratique, hein.
Alors, donc, zone 6. Attends, y a pas quelqu'un qui me dit dans quoi et quoi? Je me rappelle plus. Zone 5. Bon, on va tout explorer hein, pour l'instant. On va voir ce qu'il y a. Castorno, je m'en bats un peu les steaks, hein. Antidote, ok. Je sais pas s'il y a des trucs qui peuvent être cachés dans la boue. Oh! Total soin, pas mal. Je vais spammer ça partout maintenant, ça va être terrible. Pêcher ici? Attends. Ah, je suis mort. Attends, qu'est-ce qu'il y aura comme truc ici? J'ai envie de voir. J'achète quoi? Ça ne mord pas. En vrai, il y a sûrement quelque chose, hein. Y a quelque chose, obligé. Peut être un plan d'eau où il y a strictement rien. Plus grand marais, genre. Curieux, je vais essayer encore une deux fois. C'est chelou ça. Pourquoi ça mord pas? Ah, voilà. Sûrement quelque chose. Alors. Ah, d'accord, ok. On sait du Magikarp, j'ai compris. Nickel. Au revoir. Tant pis, il va être capturé, mais il aura tendance à s'enfuir après avoir mangé. Sujet d'Albo, il sera plus tard à capturer, mais puisqu'il sera en colère, il aura moins tendance à fuir. Que faut-il me lancer? Je n'en sais rien moi. Ah. Quelle question. C'est compliqué de faire un choix. Moi je préfère lancer de la boue, hein, comme ça. Je tente plein de fois ensuite, mais voilà. Ok, y a quelque chose là. Il est où l'item? Wesh, y'a pas d'item ou quoi? Ah non, y'a pas d'item. C'est quoi cette arnaque? Voilà. J'ai pas capté. Castorno, ok. Ah là, y a plus de trésor. Très logique, hein. Très logique, j'ai l'impression de m'être fait troll. Un axoloto, j'ai jamais capturé ça, moi. Merde, j'ai trop l'habitude. Je vais pas le capturer là, je pense que je vais foirer, voilà.
En vrai, est-ce que je lui balance? C'est un risque. Ok, il m'observe. Pokéball. Safari Ball, pardon. Ok. Non, je ne vais pas le mettre dans l'équipe, hein, très clairement. Non, non, non. Là, je peux pas y accéder ici. On a eu l'Axolotl, ça c'est bien. Il me faudrait le Marill, ce serait trop bien. Le Marill serait cool. Non, c'est Azuril d'abord. Le premier, je crois que c'est Azuril. Toi, qu'est-ce que tu veux? Grand marge dans la boue, il arrive qu'on s'enlise, se libère pour l'instant et le temps est précieux lors d'une partie de jeu de Safari. Et oui, en effet. C'est un Marill, ça, c'est le. Attends, Marill, c'est bien. C'est pas le bébé celui-là. Je vais vérifier. Ouais, non, c'est Azuril le premier. Ouais. Après, quoique, je peux vite le capturer parce que on l'obtient par reproduction. Donc en vrai, vas-y, je vais balancer un appât. Comme ça, on va voir si je le chope ou pas. Si je le chope pas, tant pis. J'essaierai surtout de choper le. L'Azuril. Et après, si j'ai le Marill, c'est bien parce que je peux faire ça par reproduction. Sinon, le. Ah, il s'est libéré. Est-ce qu'il va se barrer? Non. C'est vrai que l'autre est voulu par bonheur, donc c'est chiant. Oh! Capture critique? Incroyable. Bon, bah écoute, j'ai celui-là, ça me va. Est-ce qu'il y avait autre chose à capturer ici? Ah oui, il y a Vortente. Et ça, c'est... je crois qu'il est pas là aujourd'hui. Et comment il évolue l'autre? Comment il évolue Azumarill? Il évolue comment? C'est pas marqué. C'est pas marqué comment ça évolue en Azumarill. MDR. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je sais pas. Marest, bah je m'en fous. Reste encore, je m'en fous, hein. J'ai l'impression que les Pokémon qu'on trouve ici ne sont jamais les mêmes. D'accord. Rose bouton, mais il y a vraiment rose bouton ici, mais MDR. Je m'apprêtais à sortir l'herbe. Je vais passer de l'autre côté ensuite. Je pense que là je suis bientôt à court de temps. Hein. Super Bowl. Ok. Nice. Je ramasse tout ce que. Voilà. Incroyable. J'ai vraiment bien timé ça. Hein. Et on recommence du coup. Parce que j'ai pas tout chopé. Je crois il y a quelques objets que j'ai pas récupérés. Je suis pas allé ici. Début. Ouais, voilà, il y a quelque chose à choper là. Antipara. D'accord. Hyper. Ah, oh, j'ai pas fait exprès. Hyper potion ici. Putain, il y a beaucoup d'objets cachés, on dirait. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté?
J'irai pas. Zone 6, j'aurais quoi? Axoloto, ok, d'accord. Osef un peu, hein. Quoi? Mais non, mais j'étais totalement à l'extérieur de ça. Non, il faut pas se foutre de moi là. Y a rien de caché par là, non? Ok. Ah, là il y a quelque chose. Petite Pokéball. Castorno, ouais, bon. Il a l'air compliqué à trouver à Azuril. Je pense que je vais juste faire une reproduction et ça suffira. Lui, j'ai déjà parlé, je crois. Oui. Qu'est-ce que j'aurais raté comme Pokémon? Et Tourmi MDR. Je sais pas ce que j'aurais raté. Super potion. Ok, d'accord, c'est la zone à étourmi ici. J'ai compris. Storno, bah bon, ça se répète, hein, c'est toujours les mêmes. Y a pas beaucoup de diversité, hein. Mince, c'est pas par là. Attends. Hop. Ah mais le train, du coup, il est pas là. Ah, le seum. Est-ce que je peux atteindre la zone 1? On peut pas l'atteindre. Hein. Faut que je redescende. Je prenne le train. Lui, je lui ai déjà parlé, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là, toujours? Chose. Déjà vu, déjà vu. Je vais pouvoir sortir, je pense, pour aujourd'hui. Hein. Je vais aller voir quand même la zone 1. Et je crois que je vais sortir du marais hein, assez vite. Ouais. Peut-être que zone 1, il y a de quoi en particulier. Out par exemple. C'est vrai que c'est dans les souterrains, dans les ma... dans le marais, je crois qu'on peut l'avoir Out. Maril, bah non, du coup je l'ai déjà. Et bah. Castorno. Je vais regarder vite fait. Avoir tant de grands marais. Et après, c'est. Ouais. Non, je vois pas les autres. Bizarre ça. Out. Grand marais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, écoutez. Zone 1. Go. Quoi? Déçu. J'ai eu le temps de rien faire, hein. Littéralement, je n'ai rien fait. C'est abusé. Non, c'était beaucoup plus court là, hein, je trouve.
Ils baissent le temps à chaque fois, les voleurs. T'imagines? Alors, donc, ici... Comment on accède à ces zones? Hein? Tiens, à toi, je... On s'est une partie de la forêt, je conseille de monter à l'observatoire, inspecte le harel et des jumelles pour savoir à l'avance où sont les Pokémon. Tout quel Pokémon il y a? Alors... Il y a un Aquaqua, tu te fous de ma gueule là? Qu'est-ce que ça fout là? Un petit peu rien à faire hein, de l'Aquaqua, hein, très honnêtement. Y'a que ça. Ici, y'a que ça, j'ai compris. Alors, super repousse. Utile. Après, si j'ai pu claquer 500 balles juste pour ça, bon. Voilà quoi. Oh, y'a Vortante! Ok. Alors lui... Je lui lance de la boue, je m'en bats les couilles. Ça va prendre du temps, mais on m'en fout. Je balance de la boue 3 fois. Quoi? Mais non, mais... C'est dégueulasse. Ah, allez, toi tu restes. Allez, c'est... Est-ce que je save avec la boue? Est-ce que... Appa, allez vas-y Appa, faut essayer de le capturer direct. À la reste mon gars. Putain. Pour le coup, non, ils disent pas 2 fois la même chose. Merde, pourquoi j'ai lancé là? S'il te plaît. Chier. Ah, il m'observe. Est-ce que je tente l'appa? Allez, l'appa. Tu restes mon gars. Tu restes. Ok. Ça rentre. Je m'envoie les couilles, ça rentre. Allez, t'as mangé là, c'est bon. Non, mais t'es en train de manger, mon gars. S'il te plaît. Let's go. Je l'ai eu. Ce suspens en branche à l'aide de ses tentacules mobiles ressemble à une plante, il attend sa proie à la bouche grande ouverte. Let's go, yes Andrew. Alors, il va dans une boîte PC par contre. Je crois que j'ai tout fait du coup là, je vais me barrer. Hein. Par contre celui que j'aimerais bien choper comme Pokémon c'est Menzai. La prochaine fois je pense que je ferai un peu de souterrain puis après l'arène. Voilà ce que je ferai. Ah bah voilà le Menzai. Tout mignon. Je crois que c'est pas de type sol, du coup je peux l'affaiblir. Bon, morsure au pire. Ça voilà. Copie. Et après en morsure, nickel. Pokéball. Je sais pas si... Comment ça level up déjà, Monday? Comment ça évolue, je veux dire? Oh, first try la capture. Easy.